Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout dernier numéro d'Accès Direct de cette année 2019. Et oui, ça passe très vite. Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en savamment blanc, en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le vendredi 20 décembre 2019. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, du sport avec la Coupe du Monde de ski alpinisme à Haussois en Haute-Savoie, en Savoie, en Haute-Maurienne vanoise. Nous serons en ligne avec le directeur de l'événement. La rédaction de Bute Mont-Blanc va ensuite vous proposer différents sujets long format et enfin Fanette de Buisson viendra nous proposer ses bons plans pour le week-end. Mais avant toute cette réjouissance, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence. Salut Clémence. Salut Seb. Pour ces titres de ce journal, ce dernier journal, en tout cas qui fait partie d'Accès Direct, oui, qui fait partie pour d'Accès le 20 Direct. Décembre 2019, Fabrice Pannekoek, maire de Moutier, dans le collimateur de la Cour des comptes. Oui, maire de Moutier et ancien directeur de cabinet d'Hervé Guémard est pointé du doigt donc, dans un rapport de la Chambre des comptes. Elle met en doute la réalité d'une de ses fonctions occupées en 2015 et 2016 en tant que chargée de mission au sein du conseil départemental de la Savoie. Fanette de Buisson nous en dit un petit peu plus dans un reportage dans le JT. Et ensuite, direction Morzine. Oui, les aigles, des aigles sur les pistes de ski. Imagine un petit peu Sébastien. C'est le nouveau projet du parc animalier des aigles du Léman. Quelques-uns de ces oiseaux pourront être observés dès ce samedi dans leur milieu naturel à Morzine. Le parc vient d'investir dans un restaurant sur les pistes. Merci beaucoup Clémence. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure, on te laisse rejoindre la régie. On démarre cette émission avec du sport, je vous le disais, lors du sommaire, direction Haussois en Savoie qui accueille la Coupe du Monde de ski alpinisme. Et pour en parler, je suis en ligne avec Laurent Novero. Bonsoir Laurent Novero. Oui, bonsoir. Vous êtes un des organisateurs, président de l'association La Trace du Châtelard. Alors, première question, expliquez-nous comment est-ce que vous avez obtenu l'organisation de cette Coupe du Monde à Haussois. L'histoire commence en 2015 par la première édition La Trace du Châtelard, donc une course locale. On démarre, on va dire, timidement avec 70 participants et 25 bénévoles. Et puis, petit à petit, la sauce prend, on commence à recruter un peu plus de bénévoles. 2016, deuxième édition, on est toujours sur 70 bénévoles. Et puis sous l'impulsion donc, de la Jarienne des Cimes avec le président Jomanien, on arrive à inscrire la course donc, au calendrier FFME. Et là, donc, on est support de la Coupe de France FFME en 2017. Et là, donc, on passe carrément un cap au niveau des concurrents. On monte à 170 concurrents. On arrive à étoffer aussi notre équipe de bénévoles, notre équipe technique. Et puis, donc, on commence à rencontrer un peu des responsables de la FFME. On discute un peu championnat de France, Coupe du Monde, voir un peu comment ça se passe. Et puis, voilà, on continue un peu notre histoire. 2018, on accueille donc les championnats de France individuels. Et on remet encore sur le tapis Coupe du Monde. Et donc là, on commence à nous prendre un peu plus au sérieux. Et 2019, il faut qu'on fasse nos preuves en accueillant les championnats de France sur 2 jours avec une épreuve individuelle, donc l'épreuve reine du ski alpinisme et puis l'épreuve de sprint. Donc c'est chose faite en 2019. On pose une candidature dans la foulée et donc avril 2019, donc on a une réponse positive pour la Coupe du Monde pour décembre 2019. Alors on voit derrière vous les conditions sont un petit peu compliquées. Une première épreuve a eu lieu ce vendredi. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, tout à fait. Une journée assez compliquée. Donc la pluie. La pluie devait arriver seulement cet après-midi et donc la perturbation est arrivée un peu plus rapidement que prévu. Donc tout pour bien faire, hein, beaucoup de vent au sommet, plus de 120 km/h en rafale, de la pluie à, on va dire, à 1800-1900 mètres d'altitude. Donc il a vraiment fallu jouer fin au niveau du parcours. Mais finalement, on a quand même réussi à sortir un parcours, on va dire, de qualité. Avec des portions en hors-piste, avec pas mal de conversions, donc un parcours, on va dire, typé vraiment alpinisme par rapport aux conditions niveau météo. Qu'est-ce qui attend les athlètes pour la journée de samedi ? Donc samedi, donc on va enchaîner sur l'épreuve de sprint. Donc là, on change de format. Aujourd'hui, on était vraiment sur un format de type endurance avec 1700 mètres de dénivelé pour le parcours senior. Et demain, donc on est vraiment sur un parcours de 3 minutes 30 max pour montée-descente avec un dénivelé de 81 mètres. Tout autre format de course. Donc là, c'est vraiment un format pour les punchers. Monter beaucoup de manip, de portage, donc une épreuve assez spectaculaire aussi. Ça risque d'offrir beaucoup de spectacles en fond de neige. Dernière question, quid des Français, est-ce qu'on peut espérer voir les Français et les Françaises briller?
Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on a vu la victoire d'Axel Molares chez les femmes. Là, on a quelques chances de médaille aussi au niveau des espoirs français. Donc pour citer Thibaut Anselmet, qui est aussi parrain de l'épreuve, qui est le local de Bonneval. Donc il a toutes ses chances. Il est fraîchement médaillé en sprint justement sur les championnats de France à l'Alpe d'Huez dimanche dernier. Donc ça va être quelqu'un à surveiller. Et les filles aussi, je pense qu'elles ont des chances de leur côté aussi. Merci beaucoup, Laurent Novero. Je vous remercie. Et je rappelle que cette Coupe du Monde de ski alpinisme sera diffusée sur notre antenne et sur notre page Facebook. Rendez-vous ce samedi à partir de 9h. Allez, on passe au choix de la rédac. Et ce soir, plusieurs choix pour le prix d'un, puisque Emmanuel, Victoria, Camille et Damien sont partis sur le terrain pour vous proposer des sujets légers en cette période de fête. Et on commence forcément avec Noël, puisque Emmanuel Jouot s'est rendu au G pour aller rencontrer le Père Noël qui vous accueille là-bas du 21 au 27 décembre. On regarde. Et oui, salut Seb, bonjour à tous. Je sais pas comment t'es déjà au courant, car moi je viens de voir passer un traîneau qui vient de passer au-dessus de cette forêt et d'atterrir juste derrière nous, derrière cette grande balustrade. Alors je te le donne en mille, moi je sais pas du tout de quoi il est question, mais c'est éveillé ma curiosité, on va aller voir. Hein. Allez, suivez-moi. Moi, ce que j'ai compris, c'est véritablement la vraie maison du Père Noël. Alors, j'ose pas trop m'approcher, hein. Il se pourrait qu'il pense que je suis méchant, mais bon, on va essayer. Je crois que j'entends quelque chose, des gens arriver. Je vais voir. Visiblement, je viens de trouver un petit groupe qui est parti à la découverte de la cabane du Père Noël. Je me joins à eux, même si je suis un petit peu plus grand. Ça devrait pas se voir. J'y vais. J'ai retrouvé Carole, qui est la directrice de l'école publique des Gets. Bonjour Carole. Bonjour. Alors vous avez amené une partie des petits, justement. Les maternelles, voilà. La classe de maternelle qui vient découvrir, comme chaque année, la cabane du Père Noël. C'est un incontournable pour vous. Ah ben là, surtout qu'on la voit se mettre en place depuis un mois, donc ils ont hâte quand même. Vous êtes là parce que, bien sûr, comme moi, vous avez vu un traîneau arriver ce matin. Oui, tout à fait, mais je vous dis, l'école, elle est juste en face. Donc, ils voient tout se monter. Donc, voilà. Ils avaient hâte. C'était quoi l'idée aujourd'hui? L'idée, c'est de découvrir et puis se mettre dans l'ambiance. Déjà, faire un pas vers le 24 qu'ils attendent aussi tous avec impatience. Bon, nous aussi, hein, faut pas se cacher. Oui, mais en classe, c'est particulier quand même. J'imagine. Voilà. Bon courage en tout cas pour la suite. Merci. Qui dit cabane du Père Noël dit forcément main d'œuvre syndiquée. J'ai trouvé derrière moi deux lutines. Je vous propose qu'on s'approche et qu'on aille les voir. Mesdemoiselles les lutines, bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Oui. On voulait savoir si on vous dérange pas trop. Et alors, en quoi ça consiste votre rôle aujourd'hui ici? Ah bah là, on fait des tirs-neige, des tirs sur la neige. Ça consiste en quoi? C'est des sucettes qui viennent de nos cousins les lutins du Québec. Voilà. J'imagine que les enfants qui viennent vous voir, ils sont très friands. C'est un grand moment pour eux. C'est le moment presque le plus important de la visite. Ah bah, presque. Bon, c'est vrai que. Bon, sinon, il y a le Père Noël, mais bon, c'est déjà vu un peu. Ouais, quoi. Voilà. Alors que ça, c'est complètement inédit. C'est un peu l'année de l'innovation. Voilà. Cette année. Hein. Bon, alors, je ne vais pas vous embêter longtemps. On est prêt à quelques jours de Noël. Il reste encore beaucoup de travail. Alors. Il en reste, mais c'est vrai qu'on a tellement innové cette année qu'on a beaucoup d'aide. On a une nouvelle machine à emballer les cadeaux là, qui turbine à fond. Et ça nous, quand même, ça nous laisse un peu de temps du coup pour faire des petites nouveautés comme ça, comme les tirs sur la neige, voilà.
On va aller goûter et je vous embête pas plus longtemps. Bon courage en tout cas. Merci. Oui, bah, merci. Bonne journée, hein, puis amusez-vous bien. Joyeux Noël. Ouais. Vous aussi. Père Noël est juste à l'intérieur de sa maison. On va essayer de s'approcher, mais bon, il paraît que les adultes n'ont pas le droit d'entrer. Qu'à cela ne tienne, ça va pas m'arrêter. On est pour 8 Mont-Blanc, j'ai ma carte de presse, il va bien répondre à 2-3 questions. Hein. On va aller le voir. Père Noël ? Père Noël ? Oui. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bonjour, comment allez-vous ? Moi, ça va plutôt pas mal. Je me permets de vous embêter quelques minutes. Je vois que vous êtes très, très occupé. Pas de problème. On est à quelques jours de la grande date de Noël. J'imagine que vous êtes très occupé. Il reste beaucoup de choses à faire. Ouh là là, mes lutins sont débordés. On a encore des milliers de cadeaux à préparer. Mais on sera dans les temps. L'arrêt sur votre cabane au Gès était, comme chaque année, un arrêt obligatoire pour vous. Ah oui. Oui, ça me fait tellement plaisir de venir dans cette station. C'est un petit peu ma deuxième maison. Combien d'enfants vous allez accueillir d'ici Noël ? Je ne sais pas, des centaines sûrement. Ils ont tous été sages ? Je l'espère. Bon, vous n'avez pas oublié la mienne, de l'être ? Non. Effectivement, elle sera traitée en priorité, bien sûr. Merci beaucoup, Père Noël. Je vous laisse continuer, je ne veux pas vous embêter plus longtemps. Merci de ces quelques mots. Avec plaisir. Bon courage. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël à vous. Voilà, Sébastien, on va laisser le Père Noël se préparer et finir toute sa correspondance. Quant à moi, je vais essayer de regarder si ma lettre, elle est bien là. On se retrouve tout à l'heure. On reste dans l'esprit de Noël avec cette fois le célèbre village des Flotins d'Évian-les-Bains qui continue de ravir petits et grands. Et cette année, c'est Victoria Lopez qui est allée y faire un tour en reportage. Bonjour à tous et bienvenue dans le fabuleux village des Flotins, ces grandes sculptures en bois qui s'installent à Évian sur les bords du lac Léman. Chaque année, c'est un événement très attendu, très visité aussi par des spectateurs, des visiteurs qui viennent d'un peu partout en Haute-Savoie. Et c'est un événement créé par le théâtre de La Toupine. On va justement aller retrouver son directeur Alain Benzoni. Alain Benzoni, vous êtes le créateur, le papa de ce village des Flotins. Comment vous avez eu l'idée de créer ce village ? Bonsoir. Comment j'ai eu l'idée ? Au départ, c'était une commande de marché de Noël. Et j'ai dit au maire de l'époque, qui est décédé depuis, et que je salue parce qu'il a fait beaucoup, il s'appelait Marc Francina. Et donc, je lui ai dit, ce serait bien de faire autre chose que les cochonneries Made in China et tout ça. Et il m'a dit, oui, mais si t'es ton malin, trouve une idée. J'ai dit, non, moi je viens des montagnes, donc je suis pas malin, on est des bobets dans les montagnes. Donc j'ai dit, je suis pas malin, mais je vais chercher. Et je me suis assis des heures au bord du lac. Puis j'ai dit, il y a quoi dans cette ville ? Et il y a de l'eau, des cailloux. Puis il y avait eu un coup de bise, et les filets qui retiennent le bois qui vient des Alpes derrière, qui vient du Valais, et avaient cassé quand le Rhône se jette dans le Léman. Et il y avait du bois partout. Et je me suis dit, tiens, de l'eau, des cailloux, du bois. Puis ça a fait le cheminement. Mais ce que je voulais avant tout, c'était faire un événement fédérateur. Un événement qui fédère toute une ville, qui met tout le monde dedans. Les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, les habitants, les associations, etc. Quelque chose qui ne soit pas mercantile au moment où tout est mercantile. Donc j'ai vraiment creusé mon truc et j'ai trouvé cette idée en voyant des bouts de bois grâce à la bise, en voyant des bouts de bois qui flottaient. Et j'ai appris après que ces bouts de bois avaient chauffé pendant les guerres, avaient chauffé tous les bords du Léman. Et je me suis dit, ce bois a une âme. Donc on va faire quelque chose avec ce bois. Et on prouve qu'avec rien, des bouts de bois qu'on ramasse dans ce monde de brut où tout est argent, on peut faire quelque chose si tout le monde s'y met. La preuve. Comment vous faites, c'est la 13e édition, comment vous faites depuis toutes ces années pour réinventer le village des Flotins ? J'ai pas le choix. Parce qu'il faut que ça pousse derrière et que ça soit jamais pareil.
Donc chaque année, je trouve des idées nouvelles. On travaille, maintenant on a une équipe de plus en plus qui est dedans et qui mène. On a quand même un petit peu d'expérience, mais rien n'est acquis. Hein. On vient des montagnes, n'est-ce pas? Donc rien n'est acquis. Donc on avance et on essaie chaque année de trouver des choses nouvelles pour surprendre les spectateurs et pour surprendre tous les gens qui viennent et surtout fédérer plein de monde, le public, les gens qui travaillent, etc. avec un événement qui est complètement offert et gratuit pour le public. Vous avez parlé des gens qui travaillent. Combien de temps ça nécessite l'installation de ce village? Alors, il y a 4 semaines d'installation avec des bulldozers, des grues, des camions, etc. Et il y a 3 semaines d'exploitation et il y a 3 semaines de démontage. Et après, on travaille bien sûr toute l'année avec des sculpteurs, des ateliers partout dans les collèges, les lycées, etc. On travaille toute l'année. Toutes les sculptures qui sont ici sur la place Charles de Gaulle, toutes les années sont des nouvelles sculptures. Et après, on les remet ailleurs dans la ville, partout, on les change de place et on reconstruit des nouvelles sculptures pour cette place. La nouvelle année arrive à grands pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Alain Benzoni, et à votre théâtre, le théâtre de la Toupine? Bien, qu'on puisse continuer à aller au bout de nos rêves. Je crois que c'est ça. C'est ce que je fais depuis tout petit. Moi, je réalise mes rêves de gamin et j'ai vraiment envie que ça continue. Donc si on peut nous souhaiter quelque chose, c'est ça. C'est aller au bout de ses rêves, c'est très important. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. On va aller voir justement un petit peu cette magie, on va prendre la température, l'ambiance ici au village des Flotins. Merci beaucoup. Merci à vous, bon voyage. Je suis un peu la farceuse, la chippie. Et je suis là pour regarder que vous ayez bien la petite flamme qui brille, qui vient du cœur. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Flotin ici à Évian? Non, je viens chaque année depuis quelques années. Là, on est venu entre amis. Et voilà, on vient régulièrement parce que c'est très féerique. Et pour les enfants, c'est le rêve, quoi. Donc, on apprécie vraiment de venir passer un moment à Évian. Pour la magie, parce que chaque fois, on est un petit peu émerveillé, on découvre, les enfants aiment. Et puis, c'est un côté très sympa de redécouvrir un petit peu chaque année des sculptures qu'on avait vues l'année passée, des nouvelles. Puis de voir comme ça la ville un peu habillée, c'est sympa. C'est étonnant de croire qu'il peut faire avec du bois et c'est vraiment bien fait. Avec les petits jeux pour les enfants à faire aussi, c'est bien. Ça change des marchés de Noël traditionnels où il y a des choses à vendre et des babioles. Là, c'est vraiment poétique, c'est magique. Le succès est donc au rendez-vous pour cette nouvelle édition du Village des Flotins ici à Évian. La fête va durer jusqu'au 5 janvier. Le village sera ici ouvert 24 heures sur 24. Et pour le moment, le temps fort, c'est ce soir. Le Père Noël commence sa tournée par Évian. Il devrait arriver d'ici quelques minutes. Et je vais vous laisser parce que moi, je ne veux pas louper ça. Il est fort ce Père Noël. Allez, on passe ensuite à un tout autre sujet. Camille Copin, qui raffole de nos amis les bêtes, est allée à la SPA de Chambéry pour faire le point en cette période de fête de fin d'année. Elle est accompagnée par Damien Rémy. On regarde le reportage. Je suis à la SPA de Chambéry aujourd'hui pour vous faire vivre un Noël placé sous le signe de la solidarité. Je suis accompagnée de Percy aujourd'hui, qui est à adopter ici au refuge. Refuge qui est ouvert au public du lundi au samedi, sauf le jeudi et le dimanche, entre 14h et 17h45. Donc n'hésitez pas à venir donner un petit peu de votre temps et aide au refuge. Et puis on va suivre Robin et Amandine aujourd'hui qui vont nous faire découvrir un petit peu plus ce lieu. Donc voilà, suivez-nous. Thank you.
Je suis avec Amandine Villard, responsable d'activité à la SPA de Savoie. Amandine, bonjour. Bonjour. Tout simplement, qu'est-ce que ça fait une responsable d'activité dans une SPA ? Alors, une responsable d'activité, ça s'occupe majoritairement de tout ce qui est administratif. Et Dieu sait qu'il y a de quoi faire. Donc évidemment, tout ce qui est GRH, tout ce qui est l'entretien des locaux, des véhicules, tout ce qui est communication avec l'extérieur, communication en interne. Donc il y a de quoi s'amuser. Il y a du travail. Oui, tout à fait. Voilà, là on approche de la période de Noël. Il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à adopter un animal. On le rappelle, un animal, ce n'est pas un jouet, on ne le pose pas au pied du sapin comme le reste. Un petit peu de sensibilisation peut-être pour cette période. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, comme vous le dites très justement, un animal, ça n'est pas un cadeau en soi, ça n'est pas un objet, ça n'est pas une peluche. Nous, on milite pour que les gens essaient de comprendre qu'une adoption, ça doit être un acte réfléchi, responsable, partagé par et avec toute la famille, bien réfléchir aux conséquences et aux contraintes, parce que si un animal, ça apporte énormément d'amour et énormément d'affection, c'est aussi des contraintes. Donc il faut bien savoir peser le pour et le contre avant de s'engager dans cette démarche. Et mettre un animal au pied du sapin, c'est juste l'antithèse de tout ça. Donc on milite pour faire comprendre aux gens que ça ne doit pas se passer comme ça. On peut le faire si le projet est vraiment réfléchi depuis très longtemps. Vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir avec, entre guillemets, ce projet déjà réfléchi. Est-ce que ça arrive que les gens viennent adopter dès leur première visite, ou est-ce que vous conseillez peut-être de les revoir plusieurs fois avant d'adopter ? Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, ça dépend de l'histoire de l'animal, en particulier des chiens. C'est vrai que malheureusement, on ne va pas se mentir, on accueille des animaux avec des histoires un petit peu compliquées. Qui dit histoire compliquée, dit comportement un petit peu difficile auquel il va falloir s'adapter. Donc, quand on est sur des profils de toutou comme ça, effectivement, on demande aux adoptants de revenir plusieurs fois, notamment avec toute la famille. C'est très important que les présentations se fassent avec chaque membre de la famille. Mais si on a une adéquation entre le coup de cœur, les conditions de vie, est-ce qu'on peut offrir à un animal, plus les petites pièces qu'on va demander pour formaliser une adoption, à ce moment-là, on peut partir sur une adoption immédiate, oui, pas de problème. Merci beaucoup, Amandine, pour ces précieux conseils. Merci beaucoup. Alors, on est avec Robin, qui est président du refuge et bénévole depuis 14 ans. Robin, bonjour. Bonjour, Camille. Aujourd'hui, on va faire un focus aussi sur le bénévolat. C'est la période de Noël. Est-ce que c'est une période creuse pour vous, ou est-ce que vous recherchez des bénévoles toute l'année ? Nous recherchons des bénévoles toute l'année. Parce que le besoin, finalement, un bénévolat, c'est une sorte de CDD, hein, de contrat à durée déterminée, qui n'est pas fixé dans le temps. Hein. Donc, on a toujours besoin. Et puis, il y a des besoins qui, du coup, arrivent au fil de l'eau. Donc on se dit ce serait pas mal effectivement de combler ce besoin. Vous avez un profil type. Qu'est-ce que va faire en fait concrètement un bénévole à la SPA ? Alors il y a plusieurs types de bénévolat. J'en fais un panorama rapide. Pardon. Mm-hmm. On est sur du bénévolat promenade éducation canine. Mm-hmm. Donc c'est effectivement aller aux abords du refuge, promener le chien, le détendre. Et puis lorsqu'on connaît un peu plus les codes, lui amener effectivement un enseignement, l'accompagner du coup. Pour ce qui est des chats, on va surtout être sur, je dirais, de la calinothérapie, mais aussi, je dirais, de la sociabilisation, pardon, parce que là, il y a parfois des chats qui arrivent qui étaient un petit peu plus sauvages que d'autres. Donc, on ne prend pas des chats sauvages, mais ceci dit, s'ils étaient un petit peu dehors, il est possible qu'il faille accompagner l'animal, donc avant qu'il parte en famille. Et on a d'autres bénévolats qui ne sont pas suspectés. On va dire l'accueil, l'accompagnement, effectivement, des employés à accueillir nos visiteurs, l'entretien du matin, notamment, le nourrissage des animaux. Tout cela, c'est un soutien essentiel et indispensable à l'ensemble de nos salariés. Et cela, on le pratique depuis plusieurs années. Et on voudrait un petit peu, je dirais, l'accentuer aujourd'hui. On peut aider aussi bien dans l'administratif, dans les travaux, dans les câlins. Enfin, voilà, on peut faire... Tout est possible. Il faut aussi que la personne y trouve son compte. Parce que... Ouais. On ne peut pas imposer à quelqu'un dont c'est le métier potentiellement ou les compétences de l'appliquer au sein du refuge. Donc c'est important pour nous d'en parler sincèrement, à cœur ouvert, avec les gens qui nous visitent et avec les gens qui candidatent, pour que du coup on ne fasse pas fausse route mutuelle.
Merci beaucoup Robin. Donc voilà, nous on est à la SPA de Chambéry. On rappelle le numéro de téléphone et l'adresse mail qui vont s'afficher sur l'écran. Et puis on peut retrouver toutes les infos de toute façon sur la SPA sur votre site. Sur le blog, effectivement, voilà. Même sur la page Facebook, voilà, il y a beaucoup d'éléments numériques qui permettent. On peut retrouver aussi toutes les histoires des belles des histoires, patients. Malheureusement voilà. Aussi des tristes pour certaines, mais en tout cas sur lesquelles on a apporté notre soutien et notre concours. Voilà, tout à fait Camille. Moi, je tiens à vous remercier aussi pour ce que vous faites pour les animaux. C'est très important. J'ai envie de vous dire ce qu'a dit une de mes bénévoles cette semaine dans un écrit. Elle m'a dit c'est naturel. Ben voilà, c'est naturel pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai rejoint une grande partie de la SPA de Chambéry qui sont derrière moi, que je remercie beaucoup pour le reportage d'aujourd'hui et pour ce qu'ils font pour les animaux en règle générale. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine sur 8 Mont-Blanc. Et voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme il est de coutume le vendredi, on termine cette première partie avec notre agenda du week-end. Et ce soir, Camille a laissé sa place à Fanette. Salut Fanette. Toutes deux paillettes vêtues, ravissantes, scintillantes. C'est Noël ou c'est pas Noël? T'as décidé de nous emmener plein les mirettes là ce soir. On va parler. C'était ce soir ou jamais. Hein, voilà, c'était façon. Le soir. On va parler évidemment de Noël, forcément, dans cet agenda avec plein de choses à découvrir. Oui, on va commencer du côté d'Ugine. D'Ugine, tout à fait. Ça commence ce soir. Ça s'appelle Ugine prépare Noël. Donc, pour info, le Père Noël, puisqu'il a été fait un petit tour à Évian, il ira à Ugine ce week-end. Il sera là toute la journée, samedi et dimanche. Le dimanche, il y aura des ateliers créatifs de bougies et de décoration de Noël pour, par exemple, décorer sa table. Dimanche, de 16h à 17h, c'est le bal des petits lutins. Et autre truc un peu sympa, il y a un escape game qui peut se faire à partir de l'âge de 5 ans. C'est sur l'histoire vraie de Quentin Luffenbacher. J'espère ne pas écorcher son nom. C'est un jeune conducteur de télésiège de la Norma qui avait décidé de se construire un igloo à plus de 2000 mètres d'altitude et d'y passer l'hiver. Donc, l'escape game retrace cette histoire-là. Voilà. Et donc, toutes les infos sont sur le site d'Ugine.com. On va en savoir du côté de Bourg-Saint-Maurice. Tout à fait. Pour la hutte des lutins, Pierre et ses amis vous guideront sur le chemin de la création pour là encore faire des décorations de Noël à votre image. Donc rendez-vous est donné au marché de Noël, place Marcel Guémard, donc à Bourg-Saint-Maurice. Samedi, c'est de 9h à 19h30 et dimanche, c'est de 10h à 18h. 6 enfants peuvent passer simultanément. Il est donc possible de s'inscrire sur place. Des idées de cadeaux à Aix. Voilà, avec un marché des créateurs au chaud. C'est pas la première année que ça se fait. C'est organisé par nos confrères de la radio Grand Lac. Ça s'appelle C'est quasi Noël, puisque ça se passe au Grand Cercle d'Aix-les-Bains. 35 exposants pour faire les dernières emplettes, avec aussi de nombreuses animations. Pras sur Arly avec un drone battle. Ah non, alors il manque aussi Aix-en-Lumière. On reste à Aix-les-Bains, pardon. Excuse-moi. C'est un mapping vidéo en 3D qui se passe sur la façade de l'hôtel de ville. Pour les Annéciens, c'est un peu le même principe depuis toute la marche de Noël. Et donc, à Aix-les-Bains, ça se passe samedi de 18h à 20h. Ça dure 10 minutes et il y a une projection toutes les demi-heures. Et ça se passe sur 4 thématiques. Les origines de la Terre, les montagnes, l'eau, les sports nautiques et de montagne. Je le disais donc, le drone battle à Pras-sur-Arly. Voilà, donc c'est un affrontement rapide de drones équipés de lasers. Alors c'est évidemment sans danger, ça doit être plutôt rigolo et impressionnant à voir. C'est en toute sécurité puisque les pilotes contrôlent leur drone à l'extérieur d'une enceinte qui est fermée. Et ça aura lieu de 14h à 16h le dimanche 22 décembre sur le parvis de l'église de Pras-sur-Arly. C'est gratuit. Un festival, côté de Bonneville. Oui, ça s'appelle le Big Barouf du Père Noël. Ça a commencé le 13 décembre et ça se poursuit jusqu'au 24. Demain, samedi, on peut être studieux avec une dictée qui est organisée à 9h30. Pourquoi pas ? La sculpture sur glace à 14h. À 16h30, il y a une chasse au trésor. À 15h, un spectacle minimum circus. Et à 17h, c'est un concert avec... ensuite, ça se poursuit en soirée DJ dès 18h. Dimanche, balade de poney à partir de 14h. C'est 3€ le tour. Apéro musical du marché dès 11h. Et un concert à voir en famille à 15h de Xavier Stubb.
Et puis mardi 24, ils appellent ça le Big Day, forcément. Le Père Noël, donc après... avoir sillonné. Évian, voilà, machin. Donc, qu'est-ce qu'il a comme moyen de transport, ce Père Noël? C'est ça, hein, quel talon. Donc du coup, ça se passera mardi, il sera à Bonneville dès 15h pour déambuler dans les rues. Ensuite, il sera place de l'Hôtel de Ville. Et puis, il y a aussi des lectures de contes à la médiathèque le 24 à 10h et 14h dès l'âge de 4 ans. Un peu de gourmandise à présent, c'est Noël. Oui, avec des chamallows grillés en station. Donc le principe est plutôt sympa. J'ai retenu deux lieux. Il y a la Rosière, donc ça se passera du 29 décembre au 25 avril, tous les vendredis à 16h45. Ça commence donc le vendredi 3 janvier. Et même rendez-vous du Corbier en Maurienne, au niveau de la boucle du Garnet, les 27 décembre et 3 janvier, c'est à 16h. Et ensuite, ça se poursuit toute la saison, le vendredi toujours, à 16h30. Et je ne l'ai pas dit, à la Rosière, c'est place des Euchères. On termine avec un réveillon médiéval. Oui, alors là, je prends un petit peu d'avance pour ceux qui veulent réserver, puisqu'on n'aura pas d'agenda la semaine prochaine. Donc ça se passe du côté du château médiéval d'Avully. C'est organisé par le passionné maître queue Jean-Baptiste Laroche, qui est surnommé Sir Baptistin. Donc en fait, c'est une soirée costumée avec des mets typiques du Moyen-Âge, des jongleries et autres jeux de mots. Rendez-vous est donné à 20h, donc le mardi 31 décembre. Le tarif avec les boissons pour les adultes, 118€. Je n'ai pas tout donné le menu, mais il y a 7-8 plats. Hein, donc, il y a assez de victuailles. Voilà, c'est tout à fait Sir Sébastien. Et pour les enfants, c'est 68€. Il est possible de louer un costume sur place et vous pouvez réserver dès aujourd'hui sur le site châteauavully.com. Merci beaucoup, Fanette. Merci, passe de très belles fêtes. Toi aussi. C'est terminé pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction présenté par Clémence Roaldès. A tout de suite.